ce chat pelote, c'est un peu un mélange de tous les chats que j'ai pu avoir et de tous les chats que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'était un chat préhistorique parce que justement je voulais lui donner un côté assez irréel et imaginaire, et puis surtout qui traverse les âges. Donc c'est un chat qui a beaucoup d'ancêtres. Le pauvre, il est plutôt maltraité dans sa famille, enfin maltraité par des enfants. Le petit, c'est Hugo, il a 4 ans et il est toujours avec son petit lapin, Pimpin, c'est-à-dire qu'il ne le lâche jamais. Donc Pimpin, c'est un autre personnage. Clara, sa grande sœur, qui est le personnage central de cette première histoire, Adoptez-moi. Pour l'instant, elle a 6 ans, 3 quarts. On va dire que c'est une peste. Nous avons la maman qui, elle, est l'alliée du chat, puisque il y a vraiment une relation d'amour entre les deux. Elle va toujours le sauver des situations les plus dramatiques. Ensuite, on a le papa. Le papa n'aime pas les chats, mais ça ne l'empêche pas de le caresser de temps à autre quand personne ne le regarde. Et nous avons un dernier personnage. Il s'appelle Chouchou, le poisson rouge. Le chat pelote en est un peu jaloux. Je me suis dit que si je devais écrire quelque chose sur les chats, il fallait que ce soit vraiment différent et que ce soit le chat qui s'exprime, qui soit le personnage principal. Donc on est dans un format très particulier, très libre. C'est-à-dire qu'on voulait sortir du format classique de l'album avec du texte et des formes dialoguées avec des tirets de dialogue et juste des soit pleines pages d'illustration ou demi-pages d'illustration, et aller vers quelque chose de complètement libre. Le premier travail pour moi, c'est d'écrire le texte et de l'écrire comme s'il s'agissait en fait d'une presque d'une pièce de théâtre, puisque je mets beaucoup de didascalies dans lesquelles j'exprime ce que je souhaiterais que Pierre dessine. J'ai plein de petits carnets de travail et donc je note par exemple les habitudes de mes personnages. Ça m'aide aussi à définir bien l'univers. Donc une fois que j'ai fait le scénario, on va faire passer le texte en images. Ben c'est vrai qu'on travaille presque à quatre mains. Et c'est vraiment une interaction entre nous deux. On modifie les choses, on les supprime, on recommence. Il y a des idées que je rajoute, que Christine rajoute ensuite. On a créé le personnage ensemble. Enfin. Adoptez-moi, c'était pas mon premier titre. On a longuement réfléchi. Au départ, j'étais plus tentée par le côté revendicatif du chat. Donc par exemple, je ne suis pas une poupée barbue. Ou bien « L'enfer existe, j'y habite ». On s'est déplacé vers quelque chose de plus court. On est finalement arrivé à « Adoptez-moi ». Moi, je l'écris pour des premières lectures. Donc à partir de 7 ans, je dirais. Après, je pense qu'il peut plaire aux plus grands. Et puis même finalement aux adultes. Et en même temps, il y a du deuxième degré. Quand on parle de Matoudini, on fait référence à une époque de l'histoire d'un personnage particulier qui est assez mystérieux, que les enfants ne sont pas censés connaître.